Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, vous présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 2. L'ange gardien. Tu me reconnais maintenant ? C'est moi, Spiritou. As-tu déjà entendu parler de ton ange gardien ? Tu sais, toi, si t'en as un ? Tu le connais ? Moi, je suis pas sûre. Tu as un ami spirituel qui te protège et qui est toujours à tes côtés. À l'école. À la maison. N'importe où. Même lorsque tu te sens seul, il te suffit de penser à lui et il est là. C'est ton ange gardien, il est unique. Chacun en a un bien à soi. Ton papa, ta maman, tes amis, même ceux qui ne le savent pas ou qui n'y croient pas en ont un. Il est avec nous tout au long de notre vie. Bébé. Enfant. Même adulte. Et même âgé. Il est témoin de tous nos actes. De toutes nos pensées. Cet ami dévoué et sincère est invisible. Seules certaines personnes peuvent parfois le voir. Il n'a pas de corps physique, il ne dort pas, il ne mange pas. Il nous guide pour que nous fassions de bonnes actions. Il nous inspire des bonnes pensées, de travail, d'honnêteté, de charité, d'humilité et d'amour. Il essaye toujours de nous détourner du mal. Il nous donne ses conseils sous forme d'idées ou d'intuitions. Nous pouvons tout lui dire, nos joies, nos peines, nos inquiétudes, nos colères, nos bonnes résolutions. Nous pouvons le prier pour lui demander qu'il nous aide ou qu'il nous protège. Il nous protège des dangers, nous apporte de l'aide, mais il n'intervient pas dans les événements qui sont la suite de notre manque d'attention ou de notre désobéissance. Dans ces cas, nous apprenons les leçons de la vie par des moyens plus difficiles et parfois plus douloureux. Il est heureux quand nous faisons le bien, quand nous nous entraidons, quand nous pardonnons. Il est triste quand nous sommes agressifs, quand nous nous comportons mal ou quand nous refusons de pardonner. Mais il n'abandonne jamais son protégé. Parfois il s'éloigne si ses conseils ne sont pas écoutés et il nous laisse seuls, à nos forces. Il est très patient, il ne juge pas et il sait que tôt ou tard, son protégé comprendra et finira par bien se conduire. Il sait que ce qui ne se fait pas dans cette vie se fera dans une autre.